سيدي دي توالين تي كيو 5 سكين وي نروح تيشير تيشير مس كريم اسماعيلي نتسق لنا ذا سلواي انت دوك لا غدينا لا دغا ثيني تس الحاين الكافي لي تيغان دو تيشيك توسنان اكيد زغا موسانا كي يتلد قلد لي يوت ملي لي تاكني الكافي لي تيغان اكيد ثم بغي ثماثوث اكيد غاو امضلانا مازيغ كان بيغا نايت سايد ودي لا غونش تيكي غاشكو سرابس لا بوليس الجزائر ولا دافوان الجزائريان يسد يغلقص نند كامل لين ذا شكي ثني جان ساول نداني هو سكي اي ون نجمع دي دغنا تي 24 شطنبر داني كيف كيف مي بضنا غينا عند كان ليلن دغي وانت تيشي وفان لي باريكا دي سكونت سلام سلمان هنا نوح سنين لي مثلا كريم اسماعيلي راح نحكوا ذا شو يقدران اون ديتاي فوالا الكافي لي كيرام دي تيشي اون eu l'occasion de partager une rencontre avec le congrès, avec la secrétaire du congrès mondial de Mazur. On a eu un riche programme à partager en live. Donc, elle devrait se faire le 18 et le 19. Passé le jeudi, le vendredi, le samedi passé. Donc, on s'est donné rendez-vous le 17 pour des préparatifs au niveau de la bibliothèque. Donc, on s'est donné rendez-vous, moi, on était à 4 membres au niveau de la bibliothèque pour préparer le lendemain, pour préparer le data show, ainsi de suite, comment faire, comment partager ces rencontres online. À notre surprise, la bibliothèque a été prise d'assaut par le service de sécurité de Tichy. Donc, ils nous ont embarqués à la police, ainsi de suite. Donc, à notre arrivée, on a demandé pourquoi. Ils nous ont notifié avec une simple circulaire du Wali, un motif du Wali, à savoir de ne pas partager ces rencontres littéraires. Alors que, bien avant, la coordination du café littéraire a fait un rassemblement au niveau de la maison de Tawsa Amrouche de Béjar pour dénoncer le mensonge de l'État, le mensonge sur l'histoire. Donc, aussi, on était là-bas. En parallèle, une association religieuse a été autorisée d'organiser une rencontre, une conférence là-bas. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Alors, on s'est réunis en groupe. Donc, le comité de citoyens Tichy a décidé d'appeler un rassemblement aujourd'hui. Aujourd'hui, le 24 septembre, au niveau de la piscine de Tichy. Donc, comme c'est prévu, donc, on a partagé pour faire ce rassemblement, qui compte des interdictions culturelles, un peu de la clochardisation de délibérer de la part de l'État vis-à-vis de la société. Alors, ce matin-là, à notre arrivée à la piscine Tichy aussi, on a trouvé la piscine quadrillée de la police. Donc, on a proposé des livres, d'apporter des livres en main comme ça, ainsi de suite. Donc, les premiers arrivés ont été embarqués à la police. Donc, à notre arrivée, on n'a pas pu faire de rassemblement au niveau de la piscine. On a improvisé une marche en direction du commissariat. Donc, on s'est mobilisé au niveau du commissariat jusqu'à relâchement, jusqu'à ce que les détenus seront relâchés. Effectivement, après avoir été relâchés, donc on a fait une marche, on a fait un demi-tour jusqu'au centre de Tichy, là, on a organisé un rassemblement. On a fait la prise de parole, donc on a dénoncé ces arrestations, on a dénoncé les interdictions de ces rencontres littéraires, donc on a dénoncé aussi la volonté de l'État de clochardiser la société. Vous connaissez, donc l'État, le seul objectif, c'est l'étouffement de toute initiative citoyenne, à savoir la liberté d'expression. Donc vous voyez, la liberté d'expression est bien, et bel et bien menacé, comme témoin de ces arrestations, comme témoigne ce pouvoir mafieux, fait que sanctifie l'oppression et la lâcheté.
Voilà, donc après rassemblement, il y avait la prise de parole, etc. C'est que c'est autrefois il était une ville balnéaire, aujourd'hui dans un état de délabrement de plus en plus, pour installer un climat d'insécurité, un climat d'anarchie. Donc on a dénoncé ces dépassements-là, ces fléaux-là qui s'installent au niveau de notre commune. Voilà, yani le tout d'arracher le pouvoir profit du Covid-19. Profite du Covid-19 pour mater toute voix qui s'élève pour la liberté ou pour une activité culturelle. Et donc, comme vous voyez, nos enfants se donnent à. Vous voyez, à peu près, on peut dire entre les lignes, la quasi-totalité des commerçants sont ouverts uniquement les débits de boissons. Donc, il y a de la vente clandestine partout, qui est associée à des endroits dangereux. Donc nos enfants sont exposés au risque. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas reprendre l'école parce qu'ils ont goûté à l'argent sale. Voilà à peu près ce qu'on a dénoncé. Vous voyez, c'est un constat amer. تنميتك كريم واش هو لاشارمون دو او ديفلوب Oui. الجزائري في القبائل وسنا كي غادي تقف مليح مليح اما لي زانديبوندونتيست اما المومون سوسيتي فينوير اما لوكسيد ديال تنت ولا شي دراني تكي لوكسيد دي وين سيدي نجمع ومام طون تن فارس كسن لو ميتي بارلمونتير محسن بلعباس واش هو لاشارمون دو نوفو ريجيم تبون كونتر القبائل واش هو كومون تو ليكسبليك. Ah ben, moi, je l'explique. Vous savez tous, c'est un pouvoir militaire depuis 1962, masqué par des institutions civiles. Donc, c'est un régime contesté sans discontinuité, d'une manière pacifique depuis, ça fait 2 ans. Donc, ce pouvoir-là mafieux ne veut pas d'avancée démocratique, ne veut pas ne refuse d'asseoir les valeurs démocratiques. Voilà, parce que, comme le RCD, comme d'autres associations qui actent pour les luttes démocratiques, tout ce qui est de l'avant des luttes démocratiques sont interdits de travailler. Voilà à peu près comment je vais expliquer ça. اوكي يا كريم ثاني ميت جدي في كان يسالنا كي تنمية الدرجة.